Mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure du rundown. J'aimerais que vous fassiez un maximum de répartir pour votre animateur, Jesse Fett. C'est l'heure du rundown! C'est l'heure du rundown! C'est l'heure du rundown! Yes! Yes! L'heure du rundown! Salut la gang! Ici Jesse Fett, comment ça va? On est le 14 mai. Et c'est le rundown Health for Breakfast cette semaine. Salut Carl, comment ça va? Salut Jesse, comment ça va toi? Ça va bien, ça va bien. Il y a eu beaucoup d'échecs cette semaine. Il y en a eu quelques-uns. Ça a commencé avec moi il y a 5 minutes tantôt qui a essayé de monter les marches avec mon café. Mm-hmm. Puis je me suis planté parce qu'il y a une de nos marches qui est genre probablement un centimètre de plus que les autres. Puis je me plante souvent dans ce marche-là. Là, je me suis planté avec mon café. Mais les marches sont comme pas hermétiques. Là, fait que là, le café est allé en dessous des marches sur des boîtes à t-shirt. Tout va bien aller. Puis là, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça, ce qui s'est passé. Puis j'étais déçu parce que mon café était bon. Je me l'étais fait. Yeah. Il reste juste ça. Ah, ouais. Il y en avait au moins jusqu'ici, là. Fait que très déçu de ça. Fait un rundown, c'est un mode de vie. Fait que pas de café, c'est un peu triste. C'est un peu triste. Sinon, il y a eu beaucoup d'autres échecs, la gang. Si vous ne savez pas ce qui se passe présentement, le rundown, c'est notre façon de faire un bilan des deux dernières semaines dans notre maison de disque. Cette semaine, on fait le bilan de la maison de disque Health for Breakfast, mais on commence toujours par les échecs. Il y a eu beaucoup d'échecs. Là. J'ai des notes ici, là, mais là, ça, c'est pas mal moi l'échec. C'est là, que plus toi, long, c'est que toi l'échec. Ouais. Tout le long, ça commence avec moi qui utilise mon cellulaire au volant. Ouais. Pas fait ça, moi. T'as très fait ça dans la conversation de tes glacis. T'as essayé de dire tes glacis avec ton téléphone au volant. Puis ça marchait pas, puis t'étais entêté à le dire, puis toi, on était comme, « Jesse, focus sur la route, là, c'est pas important de dire tes glacis dans ton téléphone. » Check bien ça, je vais te montrer. Je vais te montrer ma nouvelle affaire. Attends. Arrêtez l'écoute. OK. Afficher la grille. Ouvrir Messenger. Là, je peux cliquer comme une souris, check ça. Il y a bien ça. Ça, c'est malade, là. C'est bon. Mettons, je veux écrire à Jeff D, là. Là, je peux écrire... 23. 2. Ça, c'est du bon podcast. Hein? Puis là, je dis, Jeff, je vais t'appeler plus tard. Je suis en train de faire le rundown. Ça l'a écrit à Jeff, ça. Puis là, je peux dire, 15. 3. C'est comme ça que je réponds. Ah, ben, mon téléphone, il est sur mon dash là même. Mais il y a comme une grille. Puis là, je peux dire des chiffres. Puis là, ça clique. Je trouve ça malade, là. Tout le monde était comme, Jess, lâche ton sel. J'étais comme, ben, techniquement, j'ai pas mon sel. J'avais été comme, oui, mais faut que tu lises tes messages. J'étais comme, regarde, c'est pas différent d'un GPS, là. Mais je sais qu'il faut pas que je fasse ça, là, maudit. Mais en tout cas, j'ai un système de grille. Pas capable de répondre au monde puis lire les messages. Bon, OK, next. Prochain échec. À part moi qui est un danger public, là. C'est toi qui follow aucune de tes entreprises. Sur... Parce que j'ai posté des extraits de Random sur les médias sociaux. Puis ouais. Là, je voulais te taguer en collaborateur. Mm. Mais c'est impossible. Je te trouvais pas parce que tu follow pas tes propres pages. Ça aussi, là, ça serait malade que mon explication, ça soit moi qui dis des chiffres de gris encore. Non, ça, c'est parce que... J'ai sur Instagram le contrôle de ces pages-là, puis je passe d'une page à l'autre pour vérifier. Fait que ça n'aurait pas de sens si, mettons, je me pluguais sur Rouge Pompier, puis que là, je voyais les nouvelles de Slam 10, parce que juste avant, je me suis probablement plugué sur Slam 10, puis je verrais les nouvelles de Rouge Pompier. Là, à un moment donné, c'est parce que mon wall, ça serait que un echo chamber infini de mes propres entreprises. Fait que non, mon compte personnel, je follow pas mes propres affaires pour pas que dans mon babillage aille ça. Sinon, c'est insupportable. Les stories, quand t'écoutes les stories du monde, là, ils te mettent les affaires que t'écoutes le plus souvent en premier. Là, je ferais juste revoir les mêmes affaires s'il faut, je trouverais ça insupportable. Mais il y a un trick, là, c'est que tu peux muter, genre, tout le monde, puis jamais les suivre, mais muter. C'est ça. À quoi bon?
quoi bon, je sais bien, là, moi, il y avait un call de personne que je prends une follow, mais que j'ai muté. Ouais. Ça, c'est juste quand tu veux pas que la personne, ça sente mal que tu la suis pas, puis là, c'est un problème personnel, puis t'es comme, moi, te suivre, mais je restreins tous tes trucs, fait comme ça, tu le prends pas mal que je te suis pas. Mais je pensais jamais que Slam Disc dirait à Rouge Pompier, hey, mon esti, t'es mieux de me suivre, le Rouge Pompier, hey, comment ça, je dois faire ce que je veux. C'est mes affaires à moi. Moi, j'ai muté Sima depuis 6 ans. Ça, c'est drôle. Peut-être que vous le savez pas, mais je vous ai peut-être tout muté dans mes affaires. Puis je l'ai jamais démuté. C'est quand Sima a commencé à travailler avec nous autres, elle est partie en voyage à quelque part, puis toutes ses stories, c'était elle dans des clubs. Puis je trouve ça insupportable. Bon. Puis je l'ai muté. Puis depuis ce temps-là, on l'a engagé, puis je l'ai jamais démuté. Fait que Sima, j'ai jamais vu tes stories. Ah, c'est que c'est bon, ça. Oh boy. Les sites de réseaux sociaux, c'est ça aussi l'affaire, là, c'est qu'ils jouent sur la culpabilité. Fait que là, c'est ça qui est niaiseux, tu sais. C'est comme, ils veulent me faire sentir mal que je suis pas quelqu'un qui fait aucun post. Non. Cette personne-là ne participe pas aucunement aux réseaux sociaux. Je me sens zéro mal de pas la suivre. Même des gens que je connais vraiment. Je vais donner un exemple. Toutes les dudes dans un band. Mais oui. Ça suffit à un moment donné. Là. À un moment donné. Impossible, là. Impossible. Ouais. Les autres, ils me suivent tous. Je suis content. Je suis très content que le monde s'intéresse à mon contenu. C'est parce que si je suivais tous les 2000 dudes dans un band de notre industrie, qu'ils soient ou pas signés avec nous, je finirais plus. Et ça serait beaucoup de dudes, là. Ça serait beaucoup de dudes, là. Fait que ben là, je peux pas suivre tout le monde. Ça n'a pas de bon sens. Mm. Fait que si je te suis, souvent, c'est parce que t'es quelqu'un qui met du contenu que moi, je suis comme, j'ai pas de knowledge là-dedans. C'est souvent ça. Je suis du monde qui a un knowledge que moi, j'ai pas. Puis que là, quand je suis ça, j'ai l'impression d'être moins niaiseux quand je me couche. Ça, c'est ma prérogative, c'est ça, le nom? Je suis pas bon en français. Moi non plus. Tu vas me demander la définition d'un mot à moi. C'est quoi le mot, Carl, en français? C'est vraiment là, tu sois super bon avec ça, puis tu me donnes la racine latine du mot, puis tout. Fait que c'est ça. Ou sinon, des gens quand même drôles, là, comme toi, mettons. C'est vrai que je suis funny. Toi, c'est funny. Ouais. T'es un des comptes les plus funny à suivre. Je comprends pas pourquoi j'ai plus d'abonnés que toi. Je trouve ça insupportable. Parce que ton contenu est bien meilleur que le mien. Mais oui. De loin. De loin. Ensuite. Ensuite. Où est-ce que j'ai été en échec cette semaine? Ah, ouais, là, c'est ça. Là, c'est ça. Carré, c'est... Bon, j'ai pas d'explication à ça. Ça, j'ai pas de raison. J'ai mangé, là, je me suis fait un. Je me suis fait comme un rap, là, puis les morceaux qui me restaient que j'ai pas mis dans mon rap, je les ai mis dans le frigo de même sur le top en me disant je vais les reprendre tantôt. Mais c'est surtout un petit bout de concombre. C'est ça, c'était tout le petit bout qui me restait que j'ai juste mis ça vite dans le frigo, j'ai oublié. Ouais. J'ai de l'air épais là. T'es parti une fin de semaine de même. C'est ça. Pas la première fois que je fais ça, là. Mais genre, qui que genre un concombre c'est trop lui? J'avais plus faim, je me suis dit. Je vais le manger plus tard. J'ai jamais remangé. Quoi d'autre? Mais il y a t'as le bout que t'as laissé la caméra de même pendant, pendant une nuit. Bon, ça, la raison, c'est que je suis très, très TDA par moment. Puis là, on partait en show avec les deux fils. Là, c'était compliqué, il y a beaucoup d'affaires. J'ai couru partout. Le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas ce caméra-là que j'ai amené ou c'est même pas ce lentille-là que j'ai amené. En tout cas, bref, j'ai fait ça pour rien. T'as fait ça pour rien parce que t'as juste enlevé la lentille, tu l'as mis sur la table ou est-ce que je suis en ce moment? C'est ça. Je pense que j'ai enlevé la lentille, j'ai fait, c'est pas ça que je veux. Je l'ai mis là, j'ai payé l'autre, j'ai oublié ça, j'ai laissé la caméra comme ça. Ouais, une nuit entière de même. Ouais. Très pas prudent. En plus, j'ai tout amené le kit caméra avec moi, puis finalement, je m'en suis même pas servi. Très pas étonnant. Bon, quoi d'autre? Pour une fois que c'est moi. C'est tout. Ah, c'est tout? Oui. Ah, rien que ça. Rien que ça. Ah, non, mec. On a renvoyé des employés aussi. Voyons. Ça nous en parlait pas, ça. Non. Ah, allez, bon. Ben, c'est ça. Non, mais toi, c'est spécial cet épisode-là. Tant mieux pour ceux qui l'écoutent. Tant mieux pour ceux qui sont ici. Ils ont accès à du contenu que d'autres n'ont pas. Mm. On va le voir si le monde écoute. Ils vont nous le dire. OK. Dans les nouvelles cette semaine de Hell for Breakfast, nouveau single de Bastards qui s'en vient bientôt. La chanson s'appelle, attention, Death Trend.
Et puis, j'ai vu le lyrics vidéo que tu as fait. C'est effectivement du très, très, très bon travail. Le artwork est très le fun. La chanson est extraordinaire. J'ai beaucoup aimé cette chanson-là. Je trouvais qu'il y avait une dynamique que d'autres bands n'ont pas. Là. J'aimais ça. Là. Ça surprend avec des affaires. Puis, ça m'a dit chuchote en plus. Tabarnak. Fait que tout ça est très très bon. Bastards, qui est une des bonnes signatures du label depuis le début d'Alpha Breakfast, là, qui font que donner du bon contenu. Ça sort quand ça? Dans deux semaines. Dans deux semaines. Préparez-vous, nouvel extrait de Bastards. Comme ils reviennent à la charge. Très bon single. Très bon contenu de la part de Bastards. Très content de ça. Ensuite, nouveau single des Match-Up. Les Match-Up. Ça, ça faisait longtemps. Mmh, comme dirait ta mère, les Machu. Les Machu. les Machu. Lise, on salue la fête des mères. Lise. Ah, j'ai une question par rapport à la fête des mères. J'en reviendrai ces Machu après. Fête des mères, Carl, c'est-tu la fête de ta mère ou la fête de toutes les mères pour toi? C'est la fête à ma mère. C'est la fête à ta mère. Ouais. C'est pas la fête, mettons, à ta grand-mère qui est la mère de ta mère. Là. Non. Comme tu t'appelles pas ta grand-mère, ça m'a posé bonne fête des mères. Non. Ok, parfait. On est d'accord là-dessus. La fête des mères, la fête de ta mère. Tu peux pas commencer à célébrer la fête de toutes les mères, là. Parce que. Y a pas de fin, ça. Je vais pas célébrer la mère d'Alexandre Portalance. Alexandre Portalance, meilleure chose dans la vie, mais pas appeler sa mère. Si t'es pas ma mère, tu ne recevras pas de ma part. Il y a une exception. Si c'est la mère de tes enfants, là ça compte. Là, c'est comme tu célèbres bonne fête des mères à ta mère, puis si t'as des enfants, la mère de tes enfants, là, ça vient avec. Le reste, nia. J'ai envie de faire un statement là, puis de m'obstiner avec du monde sur ce point-là. Pas d'accord, moi, qu'on commence à appeler toutes les mères de tout le monde que ça n'a pas rapport avec nous. J'appellerai pas une belle-mère, là, tu sais, mettons, là. Là, ma belle-mère. C'est pas la fête de ma mère. En tout cas, les Machu. Ma mère a dit le mot Machu, c'est pour ça qu'on parlait de ça. Lise, Maman Rock va très bien, by the way, la gang. Si jamais vous ennuyez d'elle, on peut faire un éventuel podcast avec elle, la faire revenir. Les Machu sortent un nouvel extrait bientôt. La chanson s'appelle Situation. Situation, c'est ça. Situation. Tu sais comment ils prononcent ça? Situation. Moi, je suis pas capable de prononcer comme les match-ups. Mais ce qui est le fun, c'est que les match-ups sont encore les mêmes qu'ils sont depuis 12-13 ans. La prononciation, les bacs, la formule, même formule. Très satisfaisant. T'écoutes ça, tu fais comme ça, c'est du match-up. Fait que très très le fun. Les bacs, les gars sont aussi bons qu'ils étaient dans le temps. Le grain de voix, prononciation, changement d'accord. Tout est hot. Tout est hot sur cette tune-là. Je suis très, très content du retour des match-ups. Puis il va avoir un album, puis tout, là. Ça va être hot. Ça va être hot. Alors, beaucoup d'affaires, beaucoup de nouveautés, ces match-ups. Ils t'attassent, tu sais. Ça faisait 3 ans. Ouais, puis je pense que c'était en 2020 qu'on a sorti le. 3 ans et demi. Straight to the core. Ça, là. Straight to the core. Fait que c'est ça. Très, très hot. Très minimaliste. Minimaliste maintenant, les match-ups. On dit ça, c'est une blague, mais c'est pas une blague. C'est. Rat, depuis son retour chez eux, il n'y a plus de meubles. Ça veut dire ça? T'es pas courant de ça, toi? Y'a pas de même Rat. Rat, il est rendu dans la maison que son père avait. Uh-huh. Il a vidé la maison au complet. Fait que c'est tout seul, aucun meuble. Tout est écho partout dans la maison, y'a plus rien. Y'a-tu comme une table pour manger? Je pense qu'il y a pas de table. Il mange à genoux. Je pense qu'il y a rien dans sa maison. Il a tout libéré les pièces. Puis il était comme moi, j'ai besoin d'être minimaliste. Fait que y a ça, puis en bas, il s'est fait un petit studio. Uh-huh. En bas, il y a un studio, je pense. Je pense qu'il y a une télé pour jouer genre PlayStation. Call of Duty, peut-être, mm-hmm. Là, une affaire comme ça. Il y a peut-être ça dans sa maison. Il n'y a rien d'autre. Grosse maison, puis tout. Tout est vide, ça sonne écho, puis tout. C'est malade. Minimaliste, il appelle ça. Il dit, je suis rendu minimaliste. T'es juste pas pauvre. Ah non, c'est ça, lui. Il pourrait. Alors, la maison pourrait être bien, bien meublée, puis tout. Mm. Change ça. That's it. Avec des matchs, c'est un même Pinterest, puis tout, là. Ben, Rat, en tout cas. Damn. Qu'on passe pour l'autre. Pas sûr que Burger est très minimaliste dans ses affaires. Il dit dans un Fox Pop que tout son linge est chez Rat. C'est que... ça. Ça, c'est un ban. Ça, c'est un ban. Quand l'autre gars dans ton ban a ton stock, ouais. Ça, c'est un ban. Mais demande si Alex possède des choses à moi chez lui. Sûrement. Dans son garage à quelque part, quelque chose qui traîne, qui est à moi. Ça se pourrait. Très cool. Le retour des match-ups. Ensuite, Le Noir. Qu'est-ce qui se passe avec Le Noir? Nouvelle sortie de Le Noir. Pourquoi j'ai pas mon sel avec les détails? J'ai l'air du gars qui est pas au courant. Je suis posé de dire au monde qu'est-ce qui se passe, mais j'ai l'air du gars qui le sait pas. Bon, maudit. Masquer la grille. Masquer la grille. Ah. OK. Ça, tu mettras ça dans les...
les best-of du rundown. Oui, c'est ça, c'est du bon podcast qu'on fait. Là, on est dans du bon contenu. Là. On dirait qu'on fait le podcast comme si quelqu'un nous pointait avec un gun en ce moment. Single de Lenoir qui sort le 17 mai. J'imagine que ça se prononce Talkback, mais il a enlevé les voyelles. Ouais. Donc, T-L-K-B-C-K, Talkback. De la part de Lenoir, ça sort le 17 mai, ça c'est vendredi cette semaine. C'est pas? La tournée des match-ups aussi, mais je crois que c'est ça vendredi. Ah oui, c'est vrai, on l'a pas dit cette semaine. Basse-toi dans deux semaines, mais match-up Lenoir cette semaine. Mm. Très, très hot. On y va en reculant parce que Sudden Wave s'est sorti la semaine passée. Ah, ben oui, c'est vrai, parce qu'on fait un rundown à toutes les deux semaines. Mm-hmm. Donc, il y a deux semaines, on n'a pas parlé de la sortie imminente de Sudden Wave. Qui est, c'est un... Sudden Wave, c'est un live session qu'ils ont fait. Donc, qui a aussi une version vidéo de ce live session-là. Combien de tonnes qu'il y a? Trois? Quatre? Trois tonnes. Trois tonnes sur le live session. House of Pain? Gain? House of Gain? C'est le nom du studio de Max. Ouais. C'est ça, c'est catchy. Life. Très hot, parce que les gars sont toujours actifs. Ils viennent d'une tournée, là, deux tournées de suite. Ils sont allés à Halifax, à Toronto, Ottawa, puis tout. Ils ont fait un paquet de dates, puis tout. Puis là, ça sortait en même temps. Très, très cool. De la part de Sudden Wave, ils sont très actifs. Ils ont un nouveau drummer. Très cool, je l'ai rencontré une fois. Super fin. Nice. Très, très fin. De la part de Sudden Wave, ça, c'est des nouvelles pour eux autres. Puis toutes ces bandes-là ont des shows qui s'en viennent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? OK, je vais y aller quand même assez vite, mais... cette semaine au Puzza Fest, il y aura Tick Glasses au cabaret Même. Je sais pas, pareil comme les gars de Sans Retenue, je sais pas comment prononcer ça. Cabaret Même. Mais bon. Ça, c'est vendredi. Epshot, c'est samedi. OK. Ensuite, Haley 2 sont au Monte Cristo le 31 mai avec un autre band qui fait un lancement d'album. Le 31 mai. À Saint-Thérèse, il y a aussi Rouge Pompier avec Groovy. Fait que là, on s'est comme un peu organisé pour qu'il y a le show de Rouge Pompier et Groovy. Puis après ça, le monde qui switch de du théâtre BMO à le show de 82. Toute la même journée. Parce que le 31 mai, il y a aussi le show de Lionel Groove au Bistrot Sainte-Catherine. Donc toute la même journée. Par contre, 82 vont être au pub au Callaghan le 1er juin. Ça, le pub au Callaghan, c'est Sorel. Sorel, oui. Tabarnak. Ça, c'est hot. Sorel is back. Faudrait que j'y retourne. Sorel, ça fait longtemps. Ça, c'est une phrase que personne n'a jamais dit. les match-ups et Bastard vont être au festival Festival au Lac. Comment tu dis ça encore? Festival au Lac. Oui. Festival au Lac. Oui. Ça, c'est quoi la date? Le 8 juin? Oui. N'est-ce pas? 6 et 8 juin, en tout cas, la fin de semaine du 6 au 8 juin. Et ensuite, Bastards vont être au North by North East au Bovin Sex Club le 12 juin. Ça, le North by North East, c'est la réponse au South by Southwest. Tu vois ça, toutes les slaps que j'ai dit? J'ai hâte de voir le closed caption automatique de YouTube sur ce mot-là. Le North by North East, c'est l'équivalent du South by Southwest. C'est des réunions de professionnels là, qui se regroupent dans une ville. Fait comme ça permet aux professionnels d'aller voir beaucoup de bandes en une seule fin de semaine. On a ça ici au Québec, ça s'appelle Rideau. Ça s'appelle pas East by Rimouski East ou Québec by Québec. Coast to coast. Coast to Québec. Côte par côte. donc c'est ça, c'est, les gens se réunissent, beaucoup de professionnels en même temps, les subventionneurs, le gouvernement, les salles de spectacle, les promoteurs, les labels, tout le monde en même temps à la même place. On a ça ici au Canada, c'est le North by Northeast et Bastards en fera partie, une vitrine. Fait que ça c'est très 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 cool. Et puis comme à chaque semaine, on termine le rundown avec un vidéoclip. Cette semaine on va aller voir le clip de Bastards qui s'appelle Traitor. Toi t'as participé au tournage de ça? Non. C'est moi qui l'ai monté. Juste le montage. Ouais. T'étais pas là au tournage. Non, je n'étais pas là. Not there. Mm. No Carl allowed. Non. Parlant de tournage, Carl, pour ceux qui sont rendus jusqu'ici, dans le... on a fait un tournage, vous autres, en fin de semaine. Oui, le dimanche. On a tourné dimanche. t'as commencé le tournage sans moi, parce que moi, j'étais en spectacle. Mm-hmm. T'as commencé le tournage le lendemain, j'étais pas là. Puis t'as envoyé un message à tout le monde, puis t'as dit... À l'aide. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient toutes dans mon chemin, dont des clowns. C'est ça, là. Fait que là, toi, tu sais. Là, faut que je dise, excuse-moi au clown, je passe. Puis il était clownless, d'accord. Ben oui, le technicien, il passe. mais non, mais c'est ça, toi, t'as été plongé dans un univers dont tu n'es pas nécessairement confortable.
Mais genre, quand il y a 30 personnes que je connais pas qui crient, généralement, je suis pas bien. Pas bien avec ça. Fait que ça a duré de 8h à 3h. Oui. Mais après, on a mangé, toi puis moi, de la bonne bouffe. On est, oui. On allait se coucher après, c'est correct. J'ai fait 4h, j'ai crashé. Là. Ah oui, non, c'est ça. Ça, c'était hot. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis mis un cadran de 45 minutes pour aller jouer au hockey après. J'ai dormi 2h. Yeah. J'arrive au hockey une demi-heure en retard. J'étais bien en forme, par exemple. J'étais bien relax, j'ai gaulé en esti. C'est malade, ça. Mm. Grosse fin de semaine. Grosse fin de semaine pour la gang. Alors voilà, on va avoir un nouveau site web bientôt pour Band Promo qui s'en vient. Je vous l'annonce en primeur. On est en train de travailler là-dessus. On a bien hâte de vous le montrer. J'ai vu tantôt le prototype. J'ai très hâte de dévoiler le nouveau site de Band Promo. Sinon, d'ici ce temps-là, vous pouvez y aller, acheter la merch des bands. Évidemment, ça aide tout le monde, ça aide les bands. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Sam's Health for Breakfast, dont vous écoutez présentement là, ce qui se passe. Ou toutes les descriptions, on les met là, dans le YouTube pour, mettons qu'on parle de Bastards, là, t'as pas envie de chercher. Tu peux cliquer là-dessus. On est disponible sur toutes les plateformes audio aussi parce qu'on poste le rundown là-dessus. Et puis voilà. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. C'était le fun. C'est un petit résumé rapide. Je suis content de vous avoir vu. C'était le fun. J'ai le fun de te voir, Carl. Toi, tu vas prendre 5 jours off en plus en fin de semaine. Là. Chris, oui, je prends off jeudi. Là. Ciao, bye, la gang. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Yes. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Mm. You've been the one. You've been the one for me. C'est ça que tu devrais chanter en t'en allant, mercredi. Ben, la gang. OK. Hey, bye tout le monde. On se laisse avec Bastard Traders, puis on se revoit dans 2 semaines. Bye, là. Bye.